Je vous trouve dans la manif, là. Vous venez d'où, Givors? Je viens de Givors, ouais. Ouais. Bon, vous bossez dans quoi? Je bosse dans l'industrie ferroviaire. Bon, qu'est-ce qui vous conduit ici à venir manifester? Eh ben, plein de raisons. Il y a vraiment énormément de raisons pour ne pas être présent aujourd'hui. Déjà, les retraites, le pouvoir d'achat par la suite, enfin, tout ce qui concerne le social, etc. Il n'y a plus rien qui fonctionne dans notre pays. Hein. Et puis surtout, quand on voit les dividendes, tous les profits qui sont en hausse au niveau des actionnaires, bon ben, tout le monde sait, 82 milliards de bénéfices pour les actionnaires, etc. Et quand on nous dit qu'il n'y a pas assez d'argent pour remplir les caisses de retraite, c'est complètement faux en réalité. C'est qu'ils veulent encore profiter de nous, pour faire encore plus de profits. Il faut que le mouvement poursuive. Pardon ? Il faut que le mouvement se poursuive. Ah mais complètement. Il faut que le mouvement se poursuive. Dans un premier temps, il faut que la mobilisation. Il faut que la mobilisation s'amplifie par le nombre. Et puis s'ils veulent rien lâcher, là il va falloir passer à une vitesse supérieure, c'est-à-dire plus de grèves et plus d'actions en dehors des manifestations. Bah, il y a une action qui est prévue le 7 mars justement. Voilà, exactement. Faut pas oublier l'intersyndicale qui a reposé une manifestation le 16 février. Ouais, ouais. Voilà, donc là il faut continuer à se mobiliser, il faut continuer à rejoindre. Il y a des actions tous les jours, hein. Il faut suivre l'actualité, c'est très mal médiatisé. Il faut chercher sur internet où sont les piquets de grève, où sont les rassemblements, et là il faut les rejoindre.